Alors c'est la mise en accessibilité qui a été le déclencheur du projet, puisque de nombreuses marches et la mise aux normes auraient été trop onéreuses. De plus, nous possédions un terrain adapté, donc la décision était prise fin 2014 pour la construction d'une nouvelle mairie. Bah, disons que déjà la mairie n'est pas vendue, nous l'avons louée, nous en sommes toujours propriétaires. Donc au départ, nous ne savions pas vraiment exactement ce que nous allions en faire. Et c'est un concours de circonstances qui a fait qu'une jeune fille de la commune souhaitait avoir des locaux pour monter son entreprise. Et nous avons répondu favorablement. Et en plus de cela, puisque cette jeune fille travaille dans la commune, elle va faire construire dans la commune, d'où les éléments positifs en chaîne pour la commune rurale que nous sommes. Donc c'est un plus pour la commune. Quand on parle de désertification rurale, c'est toujours bon d'avoir des constructions neuves et des habitants jeunes qui viennent s'installer dans nos communes.